Donc j'aborde la question de la formation des prêtres, parce que ce qui change dans la formation, ce sont plusieurs choses. D'une part, la formation initiale va être désormais précédée d'une année propédeutique qui se fait déjà d'une façon assez large, et dans le diocèse, eh bien, nous envoyons des séminaristes en année propédeutique, chez nous c'est parrainemonial, une année de fondation spirituelle avec essentiellement la lecture suivie de la Bible et aussi une initiation à la vie spirituelle et un certain passage aussi par des services et aussi par une retraite spirituelle. Donc c'est une année propédeutique qui devient obligatoire pour tous. Et puis, on avait l'habitude de distinguer un premier cycle de 2 ans de philosophie et un deuxième cycle de 4 ans de théologie. Désormais, le premier cycle, c'est moins un cycle consacré à la philosophie qu'un cycle consacré à la formation du disciple missionnaire. Voilà, il s'agit d'abord de former des disciples missionnaires. Et le deuxième cycle est un cycle de formation du pasteur pour conformer quelqu'un à l'image du Christ pasteur, prêtre, et donc les préparer à leur mission. Et puis il y aura à la fin une préparation plus pastorale au moment du diaconat. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est qu'on prend la formation des prêtres dans un ensemble qui est constitué d'abord de la pastorale des vocations, qui fait partie finalement de ce cycle des formations des prêtres, la pastorale des vocations, la formation initiale proprement dite, telle que je l'ai décrite, et la formation continue. Et donc on a parlé de la formation continue comme partie intégrante de la formation des prêtres. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, à fournir, aussi bien du côté de la pastorale des vocations que du côté de la formation continue, sans compter bien sûr l'adaptation des programmes de chaque séminaire